Shalom uvracha, mes chers amis, notre pépite de Rabbi Nachman avec aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire, un conseil d'une puissance dans la Emouna qui est très très forte. Nous sommes dans le Likutei Moharan 91, Vahi Yada Vemuna Kibo Ad Bo Hashemesh. Voici que les mains de Moshe étaient Emouna jusqu'à ce que le soleil vienne. On est en train de parler lorsque Moshe Rabbeinu va en guerre avec le peuple d'Israël contre Amalek. Et on dit là-bas que Vihi Yadav Emouna, ses mains étaient Emouna. Il pose la question à Rabbi Nachman, comment ça se fait que ses mains étaient Emouna? C'est dans le cœur la Emouna. Il dit comme ça, Kiyesh Kama Mine Emouna. Il y a plusieurs sortes de Emouna. D'ailleurs, c'est une grande ségoula et une grande force pour la guérison, la parole de ce que Rabbi Nachman va nous dire. Yesh Emouna chez Urak Balev. Il y a la Emouna qui est intérieure du cœur. Ve'aikar chez Tsar Liod, la dame Emouna Kolkar. La Emouna d'un homme, elle doit être tellement forte. Achit Pachet Bechol Aevarim. Jusqu'à ce que cette Emouna, elle se propage à l'intérieur de tous ses membres. Et Kalva Homer, si quelqu'un, par exemple, il sait qu'il est malade ou il a une maladie à un endroit dans son corps, eh bien, il doit mettre la Emouna, il doit penser dans sa tête. D'ailleurs, combien de coachs n'arrêtent pas de le dire, mettre de la lumière, du cosmos à l'intérieur. Ils n'arrêtent pas de le dire. Il te dit, mettez de la lumière à l'intérieur de votre endroit qui est noir ou qui est malade. C'est bien ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman il y a déjà 300 ans. Il nous a dit comme ça, Haïkar, Shetzar, Liot, Adam. Ad bechol shit pachet bechol aevarim, que toute cette émouna se propage à l'intérieur de ses membres. Comme moi chez Mouva bekidve Arizal, comme c'est marqué dans notre maître le Arizal, qui dit comme ça, shetzar lagbia yada bechad netilad neged arosh. Il faut mettre les mains en face quand on fait netilat tadaim. Baruch ata Hashem shachki de shemdot tzionu al netilat tadaim keneged la tête kede lekabel akdusha, pour recevoir la sainteté d'en haut, nimtsa shetzer la ze emuna mayadaim. Mashma, que ça aide à faire en sorte que la emuna, elle rentre à l'intérieur des mains. Le ha'amin, afin de croire. Shemechamat, shemagbia yadav, c'est parce qu'il fait élever ses mains devant la tête, qu'il reçoit la kedusha. Grâce au fait qu'il lève sa main devant sa tête, alors, il reçoit la kedusha, comme, puisque c'est la neshama à l'intérieur de la tête. Et qui berko belo emuna enoklum, quelqu'un sans emuna, je sais pas ce qu'il vaut. Moshe katuv kol mitzvotecha, tout le but de nos mitzvot, les tefillin le matin, le talit, les berachot, je sais pas moi, même chaque petite chose dans notre vie, même d'aller aux toilettes, c'est d'aller emuna. La Gemara elle dit dans Maseret et Baba Batra, comment ça se fait qu'un homme, et il a fait à Kadosh Baruch Hu qui va aux toilettes, on aurait pu recevoir la manne. Et pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu il a fait que le ventre il est comme un tambour? Écoutez votre ventre, vous allez voir à l'intérieur c'est boum 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 toute la journée. Pourquoi c'est comme ça? Pour te faire rappeler que tu es dépendant d'Kadosh Baruch Hu, que tu es dépendant. D'ailleurs c'est pour ça que Paro lui il se disait qu'il était un surhomme, parce qu'il semblant il n'allait pas aux toilettes. Lorsque quelqu'un il a cette émouna de rentrer à l'intérieur de ses membres, ou à l'intérieur d'où il a mal, il met le sechel à l'intérieur. Plus il est ma'amin, et plus il met en conscience son mal, et il essaye de guérir ce mal, et bien plus il guérit. Vous savez que je doute que le Bicure Laser, vous savez ce marchir là que les Israéliens de l'université à Haïfa, ils ont inventé, c'est une sorte de lumière photo-lumière qui vient sur le membre et qui enlève le mal de ce membre. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de psychologique à l'intérieur. C'est vrai que ça doit marcher et que ça doit réveiller, mais le fait que tu te concentres, que tu es en train de guérir cet endroit-là, ça le guérit aussi. C'est-à-dire, tu dis à ton corps de te concentrer. En médecine douce, on apprenait ça. Ça veut dire que le fait que tu sois mekacher, tu sois mechaber, ton mal à un événement ou une lumière à l'intérieur,
sa tête que tu guéris. Ki adavar shehaya tzarich mitechila le'amen achshav kshebaa elei emuna yoter gdola mevi adavar harishon besechel. Du fait que tu as cette emuna, et bien le sechel il vient encore plus chez toi. Veze shekatuv. C'est ce qui a marqué au sujet de Moshe Rabbeinu Vehi, yada ve'emuna, que ses mains, c'est de la emuna. Shehaya lo emuna kol kach gdola. Moshe Rabbeinu, il avait une confiance en Dieu tellement grande jusqu'à ce que cette emuna, elle s'est propagée à l'intérieur de ses membres, que même dans ses mains, ad bo hashemesh, ça veut dire quoi ad bo hashemesh? Jusqu'à ce que le soleil, il arrive. Pourquoi? On se dit, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Que le soleil est arrivé ou pas. C'est-à-dire qu'en vérité, il a réussi à prendre toute cette force de la Emouna, de ce soleil, de cette chaleur d'Akadosh Baruch Hu, il a réussi à la mettre à l'intérieur de ses membres. Veshemesh ou Bechinat Chochma. Le Shemesh, c'est la référence à la sagesse, à la conscience, au savoir. Et grâce à ça, eh bien, il a réussi à gagner la guerre contre Amalek, contre la Kriroute, contre la froideur, contre le doute, et avoir le vaincre, et non seulement sa émouna à l'intérieur de tous ses membres, et aussi, en plus de ça, eh bien, et la guérison complète et la réussite de la guerre. Et Kadosh Baruch Hu nous aide à conscientiser parce que c'est une force extraordinaire. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo à tous les gens qui sont malades parce qu'une grande récompense, une grande guérison peut sortir de ça. Et Kadosh Baruch Hu nous aide dans notre chaîne.